Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors un peu différente des autres. Alors dans cette vidéo, je vais déballer donc mon klaxon, donc pour trottinette électrique, vélo et tout ça. Donc un klaxon que j'ai commandé sur Amazon. Donc il était en réduction à 12,80 € au lieu de 16 €. Donc voilà. Il a l'air bien emballé. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Donc là voilà, Amazon Prime. Okay. Allez, on arrache. On arrache tout. Si j'y arrive, c'est qu'il y a une marque. Voilà, nickel. Alors. Ah. Ça faisait longtemps que je le voulais en plus. C'est crame tout là, il me fait rigoler que. Pour ceux qui connaissent. Du coup, moi je veux le même là, je vais faire un peu le kéké avec, je vais faire un peu rigoler les gens. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre sur ma Speedway 5, c'est nickel et on va le déballer tout de suite ensemble. Alors, donc la boîte, nous allons l'ouvrir. Alors, donc, bah, on a le klaxon. Vous voyez, il est vraiment petit, il est discret. Vous voyez, par exemple, si je le prends dans ma main, donc là, ah oui, les petits accessoires et tout ça. Donc là, vous voyez, dans ma main, il est vraiment discret, quoi. Donc là, vous avez le bouton pour focus. Voilà, vous avez le bouton pour changer de mode en haut et le bouton pour klaxonner en bas. Après, vous avez les petites attaches, une ici. Et vous avez un câble USB pour le brancher. Car non, ce n'est pas à pile, c'est à brancher. Donc bon, on va tester, voir s'il a de la batterie. Alors attention. Ah oui, effectivement, il a de la batterie. Donc le premier klaxon, ensuite le deuxième. Voilà. Et le troisième, alors c'est pour ça que je l'ai acheté, et je le kiffe celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est un klaxon un peu style moto scooter. Et donc le troisième. Voilà. Là, si les gens ils t'entendent pas avec ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc voilà, vous avez quatre modes de klaxon. Donc du coup, je crois que je me suis trompé. Donc du coup. Ouais, non, je ne me suis pas trompé. C'est en haut pour changer le klaxon. Et en bas pour klaxonner. Voilà. Donc bah, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Donc ça se présente comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi là je vais aller faire un peu le kéké là. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Lève-toi de là! Lève-toi du milieu! À la crame tout dédicace, frérot! Gros, ça prend l'apéro!